Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans ce vlog de la Saint-Valentin de 2021. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de votre cœur. Oui, la journée s'y prête et la journée s'y prête particulièrement pour moi puisque il y a 3 ans, je me suis fait opérer du cœur physique en fait, en urgence et donc je suis un petit peu en bonus là depuis 3 ans. Pourquoi je voudrais vous parler de votre cœur? Parce que je ne sais pas si vous êtes accompagné, peut-être vous êtes seul, vous n'avez pas de chéri dans la vie, et bien tant pis. Ou tant mieux, ça dépend des gens. C'est très important de vous occuper de votre cœur. Alors, de votre cœur physique, hein, je viens d'en parler du cœur physique. Faites vérifier votre cœur de temps en temps, on ne sait jamais. Moi, vraiment, c'était à l'occasion d'un bilan. Que je faisais tout à fait par hasard, qu'on a découvert cette grosse tumeur qui menaçait de me tuer. Et c'est vraiment par hasard que finalement je suis encore en vie. Donc faites vérifier votre cœur. Et puis je voudrais vous parler de votre cœur symbolique. Parce que qu'on soit accompagné ou qu'on ne le soit pas, c'est notre responsabilité de prendre soin de nous, de prendre soin de nos besoins à nous, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Alors je sais que c'est pas facile du tout de prendre soin de soi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un petit livret hein, que vous trouverez juste en dessous. Vous pourrez vous inscrire pour recevoir un petit livret avec des idées, des stratégies pour apprendre à mieux prendre soin de vous. Lorsque je me suis fait opérer, les quelques jours que j'ai passés à l'hôpital et puis même quelques jours après, j'arrêtais pas de pleurer. Chouinette sans arrêt, il y avait la télé à l'hôpital et le moindre, comment dire, la moindre émotion me faisait fondre en larmes. J'étais touchée, émue par tout ce qui arrivait à la télévision, même par des choses qui étaient fausses. Et j'ai posé la question à la cardiologue et elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Elle m'a dit, ah non, mais ça, c'est tous les opérés du cœur vivent ça en fait. Le fait d'avoir opéré le cœur, ça rend les gens dans les jours et les semaines qui suivent beaucoup plus émotifs. Alors je ne sais pas dans quelle mesure le cœur physique et le cœur symbolique sont reliés, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose à faire. Donc si vous avez des problèmes de cœur, que ce soit symboliquement ou physiquement, prenez soin de vous. Voilà, c'est la journée de la Saint-Valentin. On n'a pas tous la chance d'être entouré de quelqu'un qui nous aime. Mais en tout cas, il y a toujours quelqu'un qui vous aime, c'est vous-même. Aimez-vous vous-même. Et c'est vraiment mon message de ce vlog. Voilà. Je vais donner quand même un petit peu des nouvelles sur mon projet. Donc, ben, toujours pas de nouvelles concernant la camionnette. Hein, c'est au point mort, mais c'est pas très grave. Ici, je me trouve dans le nord-est de la Gironde, dans une toute petite ville. Et j'ai loué un appartement jusqu'à encore la fin de la semaine prochaine. Je pense en relouer un ailleurs parce que l'appartement ici n'est pas dans très bon état. Jusqu'à fin mars et puis au mois de mars, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc là, j'en profite pour travailler, pour faire des vidéos, pour enregistrer des podcasts que vous pourrez écouter sur le site, mais aussi sur les plateformes de podcasts. Et voilà, tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, prenez soin de votre cœur, n'attendez pas qu'une autre personne le fasse. Vous êtes la meilleure personne pour le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de Saint-Valentin et puis à très bientôt. Salut!